Ça, c'est rien, ça, pour moi. Oui, ça commence, ça y est. Donc, aujourd'hui, on va parler de la Saint-Valentin. On va parler de la Saint-Valentin. Alors, cette Saint-Valentin, elle est assez particulière. Elle est assez spéciale. Pourquoi? Parce que c'est une Saint-Valentin de Corona. C'est-à-dire que c'est une Saint-Valentin où pratiquement les restaurants sont fermés, où les bars sont fermés, où un peu tout est fermé. Donc, c'est-à-dire que c'est une Saint-Valentin qu'on va passer forcément dans la maison. Voilà, forcément dans la maison. Et donc, une Saint-Valentin qu'on passe forcément dans la maison, vous voyez très bien que c'est pas une histoire de « oui, on va sortir et tout, on reste dans la maison ». Donc, comment se comporter? Parce que toi, une femme même, ou toi, un homme même, c'est-à-dire que quand tu dois passer la Saint-Valentin et que c'est dans la maison, tu te dis quoi? Tu te dis « bon, c'est à la maison, donc j'ai pas assez d'efforts à fournir ». Puisque c'est dans la maison, on n'a pas à sortir. Toi, la nana, tu te dis quoi? Tu te dis, bon, j'ai pas à me maquiller vraiment. J'ai pas à faire ceci, cela, parce qu'on est à la maison. Non, mes chéris. Non, mes chéris. Mais je dis, vous êtes en train de me regarder. Parce que je vous ai prévenu, mes amours. Je vous ai dit, quand on parle de la Saint-Valentin, là, on parle de l'élégance. On parle du sexy. On parle du wow. On parle de l'excitation. De la séduction. Donc, on doit être en escarpin. Est-ce que vous êtes en escarpin, mes amours? Est-ce que vous êtes en escarpin? Oui, mes chéris. Toutes les femmes qui ne sont pas en escarpin, dès maintenant, allez porter vos escarpins. Oui, 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 oui. Allez porter vos escarpins. Parce que votre coach même, elle est en escarpin. Oui, je suis en escarpin, mes amours. Je suis en escarpin. Donc, vous devez aussi être en escarpin. C'est important, mes amours. C'est très important. Oui, 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 l'escarpin, c'est assorti avec le thème. C'est assorti avec, avec l'événement. Donc, toutes les femmes qui sont assises, qui ont porté tapette, qui ont porté ballerine, levez-vous, allez porter vos escarpins. Celles qui sont en escarpin, c'est bien. Restez en escarpin. Vous êtes dans le thème. Oui, vous savez, moi je dis, hein, je dis c'est dimanche la Saint-Valentin, mais si vous voulez, c'est demain. C'est demain quoi, c'est demain la fête. Donc toi une femme même qui est en histoire avec ton mari, toi une femme même qui en ce moment est en froid avec ton mari, est en froid avec ton homme, je te dis ma chérie, c'est moi qui te dis, c'est moi qui te dis ma chérie, oui, les cursades, oh les cursades, mes chéris, je vais vous montrer, avant même de me lancer, je vais vous montrer la tenue que je vais porter, demain, oui. Je vais vous montrer la tenue que je vais porter demain. Vous savez, moi, je vous dis, je partage tout avec vous. Je partage tout avec vous. Oui. Oui. Je partage tout avec vous. Regardez-moi ça. Quand vous voyez comme ça, vous pensez que c'est rien. Quand vous voyez comme ça, vous pensez que c'est rien. C'est parce que c'est affaire de Facebook. Que c'est pas tout on peut porter, c'est pour ça. Sinon, c'est que ce truc que vous voyez là, ce petit truc que vous voyez là, attention, ne négligez pas. Ne négligez pas. Vous voyez ça? Ça demain. Ça là demain. Je porte ça demain. Ça c'est ma tenue de demain. Oui. Ça c'est pour papa caviar demain. C'est un truc enfilé. Vous voyez ça noir comme ça. Mais c'est dit que c'est très flexible. C'est très... C'est dit quand tu tires, c'est dit, vous voyez comment ça est. Vous voyez comment ça est. Donc attendez, je vais vous montrer. Je vais attacher mon cou. Il y a attaché mon cou. Et puis il va vous montrer comment c'est flexible. Comment ça est. Vous allez voir. Regardez, regardez-moi ça. Regardez, vous voyez comment c'est flexible? Regardez, regardez, c'est une combinaison. C'est une combinaison. Donc, ça dit que toi, la femme, même quand tu portes ça, tu portes rien en bas. Oui, tu portes rien en bas. Et puis, tu portes ça comme ça. C'est la combinaison. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, c'est pas petit. Ça tire. Ne vous inquiétez pas. Regardez. Donc, ça dit que demain, je vais porter ça comme ça. Porter ma combinaison comme ça. Oui. Devant papa caviar. Et puis quand je marche, je bombe ma poitrine. Puis je marche comme ça devant lui. Je bombe mes fesses. Je marche comme ça devant lui. Oui. Je me fais comme ça. Il va dire, mais qu'est-ce que tu as? Tu as la maladie depuis les dindons? Il dit, non, laisse ça. C'est le thème. Oui. Regardez. Et puis, ce qui est bien. Oui. C'est-à-dire que ce qui est bien dans ce truc... Ce qui est bien dans cette combinaison, mes amours. Regardez. Regardez. Regardez la combinaison. Vous voyez, c'est une combinaison. Regardez en bas. C'est ouvert. C'est ouvert en bas.
C'est ce qui fait la particularité de cette combinaison. Voilà, voilà pourquoi j'ai aimé cette combinaison. Vous voyez? Tu portes la combinaison et puis tu n'as pas besoin d'enlever. Non, t'inquiète pas. C'est ouvert. Donc, ça veut dire que le paradis, tous les paradis sont ouverts. En bas, c'est flexible. Donc, ça veut dire que tu portes le truc comme ça. Ton amour te voit dedans. Tu es bien filé comme ça partout. Et puis, quand il te prend, tu n'as pas besoin de dire, bébé, attends que j'enlève. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Oh, mon chéri. Oh, mon chéri. Tu es dans la tangente. Tu es dans la rond. Oui, mon Dieu. Mais ça veut dire que quand tu portes ça, ça veut dire que quand tu portes ça, il faut qu'il y ait des escarpins en bas. Il faut qu'il y ait des escarpins en bas. Regardez. Regardez. Filez là, filez là. Filez là, comment si tu sens, ça descend au pied là-bas. Et puis tu mets tes escarpins. Ça veut dire que pour la Saint-Valentin, je me suis étranglé comme ça. Arrivé à un certain moment, je voulais dire, mais pourquoi je ne sens plus la circulation d'air? Déjà, c'est parce qu'il y a plus filé là, il a attaché mon cou. J'ai dit, hein, c'est pour ça que je ne sentais plus l'air. Tout ça à cause de Corona, à cause de choses. C'est Saint-Valentin. Il me tuer. Non, mais faut, ça veut dire que... Vous comprenez les choses comme ça, mes chéris. Tu mets tes escarpins en bas. Oui, tu mets tes escarpins en bas. C'est important. C'est très, très, très important, mes chéris. Et puis, vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, mes caviar. Je vais vous dire une chose, mes caviar. Aujourd'hui, c'est-à-dire que ce week-end de la Saint-Valentin, toi, une femme, si tu es en palabre avec ton mari, si tu es en palabre avec ton homme, faut te réconcilier. Ma caviar, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à mes caviar. Toi, une femme caviar. Toi, une femme champagne. Toi qui as pour coach Amon Chic, si tu es en palabre avec ton mari, si tu es en froid avec ton mari, ce week-end-là, faut te réconcilier avec lui. Oui. Parce que c'est un moment très, très, très important. Parce que la Saint-Valentin, là, il y a des gens qui ont fêté ça l'année passée. Cette année-là, qui n'ont pas pu la fêter. Vous comprenez un peu. Donc, toi qui es en train de fêter, si Dieu t'a donné la santé pour que tu voies Saint-Valentin, là, il faut que même si tu es en palabre avec ton mari, il faut que tu te réconcilies avec lui. Mon frère, mon caviar, si tu es en palabre avec ta femme, tu es en froid avec ta femme, il faut te réconcilier avec elle. Oui. Pour la Saint-Valentin. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que l'année prochaine, Dieu ne va pas nous donner cette chance-là, cette grâce-là. Donc, il faut en profiter. C'est très important. C'est très important, mes amours. Regardez ça. Regardez les petits accessoires comme ça. Les petits accessoires comme ça. Au passage, je dis un grand merci à les fleurs d'Éléonore pour cette belle décoration. C'est elle qui a décoré. Oui, je ne sais pas qui m'appelle, je suis en direct. Oui, les fleurs d'Éléonore. Voilà, c'est elle qui a décoré. Elle est décoratrice d'intérieur. Elle s'occupe de tout, les mariages, les fêtes, tout ce que vous voulez. Si vous avez besoin de décoratrice, contactez-la. J'ai mis le site en haut, les fleurs d'Éléonore. Voilà, vous la contactez pour vos mariages, pour tous vos événements. Elle va s'occuper de votre décoration. Elle est topissime. Excusez. Tu peux aller chez ton ami? Non, je ne peux pas. Je suis pas là. Mais pourquoi c'est maintenant que tu rentres? Excusez, Marvin est venu, il va prendre quelque chose, il va ressortir. Vas-y. Voilà. Voilà, mes amours. Excusez-moi. Donc, merci à les fleurs d'Éléonore. Merci pour cette belle décoration. Regardez, mes amours. Regardez ça. J'ai dit que la Saint-Valentin, là. Non. Ouf. La Saint-Valentin, là, non. Ça sera du balèze, mes amours.
Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Tu mets ça ici comme ça. Tu branches là comme ça. Hein? Hein? Regardez ça. Et puis tu appuies. Tu appuies. Tu appuies. Ça fait... Tu appuies comme ça. Ça veut dire que... Voilà. Ça veut dire que le Valentin, il a ça. Le Valentin, il a ça. Voilà. Ça veut dire que... C'est un jour spécial. Vous comprenez? C'est un jour spécial. Et qui dit jour spécial, dit des choses spéciales. Tu comprends un peu? Donc voilà, tu prends ça comme ça. Voilà, ton Valentin prend ça. Mets ça là-bas, dans le bijou. Oui, dans le paradis. Et puis là, c'est lui là le truc, quoi. Ça dit que c'est elle là-bas. Et puis il appuie comme ça. Il joue avec ça. Donc ça fait... Donc toi-même, tu es assis depuis tout ton corps. Oui, attends, vous êtes en train de siroter un peu de champagne. Voilà, c'est-à-dire que vous prenez, vous savez, mes chéris, je vous ai dit que c'est un jour spécial pour la Saint-Valentin. Donc, excusez-moi pour les personnes sensibles, les personnes très frustrées, très coincées. Ce que je suis en train de faire, ça va peut-être vous choquer, mais je suis désolé. C'est spécial Saint-Valentin. Alors, en fait, je ne vais pas parler de religion, je ne vais pas parler d'éducation. Donc, si vous êtes là, que vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de rigoler un peu, vous restez. Maintenant, si ça vous dérange, merci de vous déconnecter. Au lieu de mettre les commentaires, yougou yougou à décafler, sinon je vais vous bloquer. Voilà. Donc, ça veut dire que ma chérie, voilà. Ça, dans le paradis, oui, un peu de runa, oui, c'est important. Un peu de runa, en train de siroter un peu le runa, et puis tu as ça là-bas, et puis ton chéri, il est assis à côté, et puis il fait... Donc, ça veut dire que toi-même, le champagne, même, ça veut dire que quand tu sers comme ça le runa, tu es en train de boire, tu es là, oui, tout se dilate, oui, tout se dilate, c'est important, tout se dilate. C'est très important, mes amours. C'est très important. Oui, regardez ça. Regardez ça. Attendez, il y a mes téléphones là-dessus. Attendez. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oui, je vous donne des idées, quoi. Je vous donne des idées. Des idées pour rendre la Saint-Valentin, vous comprenez un peu. Voilà. Regardez ça. On appelle ça. On appelle ça l'œuf. Hein? Oui, on appelle ça l'œuf. Ça, c'est l'œuf. Hein? Voilà. Ça, c'est l'œuf. Regardez. Ça, c'est l'œuf. Vous voyez ça? J'ai dit que. Ça là. Hey, j'ai dit que mes amours. Si vous avez essayé ça là, avec Valentin. Il a dit, ça là, on appelle ça l'œuf. C'est le petit œuf. Mais caviar même, c'est-à-dire que mes caviar même qui utilise ça là. Elle met la santé, mais regardez, la pierre rigole seule. Ça, c'est l'œuf. Voilà, donc l'œuf, c'est très simple. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est l'œuf. Tu nettoies bien. Tu mets un peu de lubrif, comprenez. Voilà, un peu de lubrif, un peu de... Voilà, quelque chose de... Voilà. Et puis, bon, c'est l'œuf, quoi. Voilà quoi, là-bas, dans le paradis. Oh mon Dieu. Donc ça, c'est l'œuf, hein? L'œuf là comme ça. Et puis le Valentin, il a la télécommande de l'œuf. Et puis il dit, tu es assise et puis il fait ça. Il appuie. Oui, parce que vous savez, il y a beaucoup de touches. Il y a deux touches. Donc il y a un côté qui fait vibro. Et puis il y a un côté qui fait... Voilà, qui fait... Voilà. Donc lui, celui, il a l'œuf. Il a l'œuf. Et puis l'œuf là, lui-même, il met dans le paradis. Et puis il a la télécommande de l'œuf. Et puis ben, il appuie. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en direct, tu me fais quoi comme ça? Je suis en train d'expliquer mes caviar, mais je ne savais pas que quand j'appuie,
tu allais faire ça, pourtant je t'ai pas bien fermé. Mais dis donc, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait quelque chose. Ouh. Attends, papa Kavia, il vient de partir au travail, ça m'arrange pas, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Donc, ça veut dire que bon, le Valentin fait ça. C'est que le fait. C'est que le fait. C'est que le fait. J'ai dit que c'est que l'œuf va te faire. Tu vas parler en langue. Tu vas parler la langue de Jupiter, la langue de Molière, la langue de je ne sais quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est ça. C'est quelque chose, ça ne s'explique pas, ça se vit. Comprenez un peu, mes amours. Ça se vit, ça se vit. Donc, voilà, quoi. Donc, vous comprenez un peu. Ça, c'est l'œuf. C'est des idées, je vous donne des idées, hein. Je vous donne des idées, mes amours. Comprenez, hein? Voilà, je rentre pas trop dans les détails. Je dis pas trop des mots forts, hein? Parce que vous savez, hein? Facebook, vous savez que je suis restreint. Donc, si j'ai fait erreur, là, vous savez que Facebook va me faire quelque chose. Oui. Donc, ça, c'est l'œuf. Ça, là. Toutes les caviars devraient avoir ça. Ça, là, c'est pour ton bébé et toi. C'est pour ton homme et toi. C'est pour ton mari et toi. C'est pour ton chéri et toi. C'est pas pour toi seul. Ça là, toi seul là, c'est-à-dire que toi seul tu peux utiliser, non? Mais ça va pas faire l'effet que ça doit faire. Mais quand tu utilises ça, ton moro, quand tu utilises ça, ton mou, c'est que ça fait là. C'est-à-dire que quand toi-même tu es assise là, et puis lui-même c'est lui qui te les guide là. C'est lui qui te les guide là. Non, le goût de ça, tu peux pas, c'est trop chic. C'est trop chic. Maintenant, on sait jamais. On sait jamais. Il y a des mazos, hein. Vous savez, il y a des mazos. C'est-à-dire qu'il y a des mazos et tout. Il y en a eux là. C'est des sensations plus que fortes. Donc, ça veut dire que je vous donne des idées. Hein? C'est les idées. Hein? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Oui! Vous voyez ça? C'est-à-dire que, voilà, ça, hein, ça là, c'est des idées. Hein? C'est-à-dire que ça, c'est pour les mazos, quoi. C'est-à-dire que toi-même, tu es là comme ça, et puis ton mari, ton chéri, il prend ça comme ça, il dit, entends, il veut te punir, voilà. C'est-à-dire que quand tu as envie de punir un peu ta chérie, tu as envie de punir un peu maman, voilà, ton bébé, voilà. C'est-à-dire, tu lui dis, tais-toi, ouvre la bouche. Donc, elle ouvre la bouche. Tu mets ça dans la bouche là-bas, tu fermes ça derrière là-bas, donc sa bouche est fermée. Voilà, sa bouche est fermée. Elle peut rien faire, elle peut plus rien dire. Ou bien le moron même, ou bien ton moron même là. Tu mets ça là-bas. Fais ça. Ça c'est plein, ça c'est plein, Mazo. Oui, mon cher. Fermez bouche là-bas. Fermez bouche là-bas. Comme ça, mon cher. Quel que soit, tu n'entends rien. Tu entends le hou hou, mais tu ne sais pas. Tu le dis. Ferme les yeux. Tu fermes les yeux. Oui. Tout ça, c'est des idées. Vous savez, c'est des idées. C'est important. Hein? C'est important. Tout ça, c'est des idées. Tu fermes yeux là, oui. Tout ça, ça fait partie de la punition. C'est la punition, hein. C'est la punition, voilà. C'est la punition. C'est la punition. Maintenant, c'est ce que la personne porte. C'est ce que la personne porte. Tu portes ça, mon cher. C'est des chaînes. On te chaîne là-bas. Chaîne, mon cher. Tu es mazo, tu aimes ça. Parce que j'ai des caviars qui disent que j'aime les sensations fortes. Je dis, ok, il va vous montrer les idées des sensations fortes. Toi-même, si tu quittes là, tu vas. Regardez ça. C'est des idées, hein. C'est des idées, mes chéris. Moi, je vous donne des idées, mes amours, hein. C'est des idées. Regardez ça. Ça, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est les petits pinceaux. Les petits pinceaux, ça c'est pour les lolos, ça c'est pour les tétons. C'est pour les tétons. C'est-à-dire que
toi-même tes tétons ou les tétons du mogor. Voilà, ça c'est le petit pinceau comme ça. Tu as tétonné ça, voilà. Tu attrapes ça, ça fait pas mal, hein, ne vous inquiétez pas, c'est fait pour. Voilà, là, tu attrapes ça, tu tétonnes ça, tu mets ça sur le bout des lolos là, du mogor ou même de la nana ou du mec. Voilà, tu mets ça comme ça, tac. Donc ça attrape téton là. Donc c'est du coup ça fait un peu mal et puis c'est un peu c'est le juste milieu quoi. Voilà. Le juste milieu, ça c'est très important. Voilà, surtout les hommes, ils adorent ça, hein. Les hommes, ils adorent ça. C'est-à-dire que quand tu prends ça comme un puis tu as attrapé ça, coin, tu as attrapé ici, coin, et puis c'est là comme ça, là. Et puis, regarde, il y a des vis. C'est-à-dire que on vous amène même à vous surpasser, à vous surpasser dans votre mazoya, voilà, dans votre jeu, voilà, dans votre jeu. C'est-à-dire qu'il y a les vis ici, il y a les vis ici. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais comme ça, tac, si tu veux, tu dévisses. Si tu veux, tu vis. C'est-à-dire, si tu as envie que ça serre bien. Parce que quand tu mets, par exemple, si tu mets, par exemple, plus le moro, il a envie que ça serre. Donc, il te dit, plus fort, plus fort. Tu vis ici. Tu vis ici. Comme ça, ça attrape bien maintenant. Tout ça là. Mais je trouve ça, mes chéris. C'est la Saint-Valentin. Hein? C'est la Saint-Valentin. Voilà. Et puis, voilà. Ça c'est la chicotte, quoi. Tu vois, c'est la chicotte. Ouais, c'est la chicotte. Voilà, c'est-à-dire que toi là, go, tu as fermé les yeux de ton mari ou tu as fermé les yeux de ta femme. Voilà, tu as pris les pinceaux, tu as attrapé ça. Les trucs là, tu as porté ça, ça l'a menotté partout là-bas. Vous voyez ça? Tout ça là, tu portes ça, menotté ça là-bas, mon cher. Tout ça là. Hein? Tout ça là, c'est des jeux, mon cher. Et puis tu mets ça comme ça. Tu le nommes. Vilain. Vilaine. Oui. Chicoter ça un peu, mon cher. Tout ça là, c'est important. C'est important, vous comprenez? C'est important, grand. Tu tapes ça comme ça. Chicoter. 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 Oui. Tout ça, vous savez, tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important, ça, c'est dit que c'est la Saint-Valentin, voilà, c'est la Saint-Valentin, tout ça, pourquoi pas, quoi, pourquoi pas, surtout que toi, une femme même, si tu vois que ton moro même, il a eu des comportements bizarres, toi-même, tu cherchais occasion pour le punir un peu, et puis voilà occasion, voilà occasion, donc toi-même, il est là, quand même, tu fais, fia, oui, on n'a pas dit ses sensations, donc tu fais, quoi, tu fais, et puis après, tu entre les deux petits coups comme ça, là, tu fais ça. Yeah! Voilà, un peu de vengeance, ça. Un peu de vengeance. Mais tout ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça fait du bien. Oui, mes amours. C'est des idées, vous savez. C'est des idées. Hein? C'est des idées. Moi, je vous donne les idées. Je vous donne les idées par rapport à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, vous voulez que je parle de quoi? Je ne vais pas parler d'autre chose. C'est ça, la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux. C'est la fête de quelque chose de pas habituel, vous comprenez un peu, donc c'est de ça, je suis dans le contexte quoi, après soyez pas choqués, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de vulgaire, voilà, ce que je fais c'est normal, voilà, c'est pour des personnes qui savent que c'est important, voilà, maintenant toi que ça dérange, tu quittes mon direct, on n'a qu'à se dire la vérité. Regardez ça mes amours. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Regardez ça. Je vous donne des idées, mes amours. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Ça là. Toi-même, c'est-à-dire que les sensations, toi-même, c'est-à-dire que... Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a pile. Il y a pile. Ouais, il y a pile. C'est-à-dire, il y a pile. Ça, c'est pile. C'est dedans là-bas. Puis quand tu branches, ça fait. On est amorti, on est pilon. Vous voyez comment ça est? Vous voyez comment ça est? Ça fait. Ça vibre en. Mon cher. Tout ça, là, c'est important. C'est des idées. Hein? Moi, je vous donne les idées, mes amours. Je vous donne les idées. Parce que vous ne savez pas beaucoup de choses. Donc, je vous donne les idées, mes amours. Je vous donne des idées, mes chéris.
tout ça, c'est des idées, hein. Vous savez, moi, je dis toujours, hein. Je dis, toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, quand tu es avec ton homme, ça ne sert à rien d'aller le tromper. Non, ne le trompe pas. L'infidélité, ce n'est pas bon. Donc, toi, un homme ou toi, une femme, ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour pimenter. Il y a des choses pour rendre un peu votre intimité un peu pimentée, un peu waouh, un peu chic. Vous comprenez? Donc, je vous donne des idées, hein. Voilà, pour pimenter un peu votre vie de couple, pour pimenter un peu votre intimité, c'est important. Il y a beaucoup de couples, en fait, qui ne vivent pas ça. Et ça fait que c'est en train de déchirer leur foyer. Alors que moi, je suis là, je vous donne des idées. Si vous avez besoin de ça, là, il suffit juste de rentrer en contact avec moi et puis vous commander. Vous avez ça chez vous, vous êtes tranquille, vous amusez avec vos chéris. C'est important. Attendez, mes amours. Regardez ça. Regardez. Vous voyez ça? Vibrato de ça. Vous voyez? Vous voyez comment ça vibre? Oh! Imagine! Vous entendez le bruit? Vous voyez, quand tu appuies ici, ça te fait plusieurs. Ça dit que il y a plusieurs. Si tu as envie d'un peu doux, tu appuies là. Tu vois? Si tu veux plus intense, tu appuies là. Tu appuies là. Là, c'est plus fort. Donc, imaginez. Imaginez, mes amours. Ma chérie, tu penses qu'avec ça, tu vas aller voir ailleurs? Tu penses qu'avec ça, tu vas tromper ton mari? Tu penses qu'avec ça, là, tu peux aller voir un autre homme? Ma chérie, non, vous savez, moi, c'est ce que je dis. Moi, ce que je fais, c'est pour que les femmes n'aillent pas voir ailleurs. Parce que j'ai envie que mes caviars soient des femmes leaders. J'ai envie que mes caviars soient de grandes dames. J'ai envie que mes caviars aient assez de bonheur dans leur foyer, dans leur vie de femme. Et donc, je n'ai pas envie qu'elles aillent faire des choses qui vont créer la poisse dans leur vie. Et donc, si il y a des petites astuces comme ça, il y a des petits secrets comme ça qu'une femme peut prendre pour garder chez elle à la maison, si il y a un truc qui ne va pas avec son mari, que son mari n'arrive pas à l'emmener au septième ciel, est-ce qu'elle a des choses comme ça qu'elle peut utiliser avec son mari ou sans son mari? Voilà, elle est tranquille, elle ne va pas voir ailleurs. C'est important, mes amours. C'est important. Celui qui va critiquer ça, c'est un sorcier. Vous entendez le bruit? Oui, mes amours, c'est important. C'est très important, mes amours. Attendez, mes amours. Regardez ça. Regardez ça, mes amours. Regardez ça. Hein? Regardez ça. Vous voyez, il y a le truc qui est là, que vous branchez. Voilà, vous branchez, vous chargez. Voilà, c'est électrique, donc vous chargez. Quand c'est déchargé, voilà le câble, vous mettez sur le truc du téléphone, vous mettez en charge, c'est bien blindé. Vous voyez ça? Voilà, ça c'est des petits trucs. Ces petites idées, quoi. Des petits trucs. Pour ne même pas aller voir ailleurs. Moi, je dis ça. C'est-à-dire que je préfère que les gens m'insultent. Je préfère que les gens disent que je suis vulgaire. Je préfère que les gens me traitent de tous les noms. Et que les femmes dans leur foyer restent fidèles à leur mari. Et que les femmes dans leur foyer arrivent à trouver des astuces pour pimenter leur relation. Et que les hommes aussi arrivent à savoir que s'ils n'arrivent pas à satisfaire leur femme, c'est des choses qui arrivent. Il y a aussi ces petits trucs-là qu'ils peuvent utiliser pour pimenter. Voilà. Maintenant, je prends le risque.
Après, les gens qui vont m'insulter, je suis habitué. Je suis trop habitué sur les réseaux sociaux, là, qu'on me traite de tous les noms. Je suis habitué. Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait le travail que je fais. Dieu seul sait l'impact que j'ai sur des millions et des millions de femmes, de couples. Dieu seul sait l'efficacité de mon travail. Voilà. Donc, les petits virgules, les petites virgules, les petits points à la ligne qui vont jaser pour essayer d'avoir un peu de visibilité, moi, c'est pas mon problème, ça. Moi, c'est du lourd, c'est du costaud. Mm-hmm. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Le reste, c'est que des conneries. Vous comprenez? Regardez ça. Il y a toutes les tailles. Il y a toutes les tailles. Il y a tout. C'est-à-dire que toi, la femme, la taille que tu veux, là. La taille que tu veux, là. Il y en a. T'inquiète pas. Mm-hmm. Si c'est trop gros, t'inquiète pas. Il y a moyen. Il y a normalo. Il y a anaconda. Il y a fitininini. Il y a tout. Ça dépend de ce que tu veux. Regardez. Voilà. Parce que toi, une femme, c'est-à-dire que toi, une femme, si c'est anaconda, on ne sait jamais. Vous savez, on ne sait jamais dans la vie. Dans la vie, on ne sait jamais. Toi, une femme, peut-être que c'est anaconda. Si c'est anaconda, là, regarde. Il y en a. Voilà. T'inquiète pas. Ça, là, tu colles ça comme ça. C'est-à-dire quand tu mets ça sur une table, là, comme, tu mets ça sur une table comme ça, là. Ça se colle. Ça se colle. Ça ne bouge plus. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, ma chérie. Voilà. Tu n'iras pas voir ailleurs. C'est que c'est dit que si anaconda, ton mari n'a pas anaconda là. Et puis c'est anaconda là que tu veux aller chercher dehors là. Ma chérie, voilà anaconda. Tu prends ça, tu déposes sur une table, tu déposes sur une chaise. Ça se colle comme ça. Tu fais ce que tu as à faire. Et puis c'est fini. C'est chez toi à la maison. Tu finis là, ni vu, ni connu. Tu es tranquille dans ton foyer. Voilà, tu es heureuse dans ton foyer. Tu ne vas pas voir ailleurs. Tu ne vas pas te mettre nue devant un homme, un autre homme. Tu ne vas pas te coucher en bas d'un autre homme. Oui, Dieu va encore plus te bénir. Tes affaires vont plus prospérer. Voilà, il aura plus d'argent dans ton foyer. Oui, c'est important, moi je le dis, hein. Moi je le dis. Moi je le dis. Après, je prends ce risque-là, vous comprenez, je prends ce risque-là. Je sais que ça va choquer beaucoup. Ça va choquer beaucoup parce que, voilà, je comprends. Il y en a qui sont encore au temps colonial, vous comprenez. Il y en a qui ont encore la mentalité d'Abla beaucoup. Il y en a que tout choque. Il y en a que tout choque. Il y en a en fait qui ne comprennent pas que ce soit une Africaine qui vienne s'asseoir là pour faire ça. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ont pour habitude de voir les Whitey faire ça. Et donc, voir une Africaine faire ça, en fait, ils n'acceptent pas. Et donc, forcément, ils vont la traiter de tous les noms. Forcément, ils vont la canaliser. Mais moi, je vous dis toujours, je suis la coach d'une autre technologie. Moi, je suis la coach d'une autre technologie. Il y a toutes les tailles. Il y a toutes les tailles, ne vous inquiétez pas mes caviars. Moi, je suis la coach d'une autre technologie. Moi, je suis la coach. C'est-à-dire, moi, où je vois là, moi, je suis déjà en 23 000. C'est-à-dire que je suis déjà en 2030, 2040. Moi, ma tête est déjà là-bas. Donc, toi qui es encore derrière là, je vais toujours te choquer. Voilà, moi, je suis déjà. Moi, je suis dans une autre dimension. Moi, je suis dans un autre level. Donc, si tu n'es pas dans le même level que moi, si tu es encore arriéré, coincé. Si tu n'as pas compris que les hommes d'aujourd'hui là, c'est les hommes d'aujourd'hui là, ils sont de plus en plus vicieux, ils sont de plus en plus curieux, ils sont de plus en plus pervers. Toi, une femme, si tu n'as pas compris ça aujourd'hui, que tout ce qu'on est en train de faire là, ça te choque, tu vas me critiquer, tu vas m'insulter, ma chérie, tu n'as rien compris. Toi, ton mari là, tu vas toujours le perdre. Toi, ton mari là, c'est 5 francs, tu ne vas pas gagner. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis le plus important, ce n'est pas de rester dans son foyer. Le plus important, ce n'est pas de rester marié. Le plus important, là, c'est que quand tu es marié, là, ton mari, là, il banque. Ton mari, là, son argent, là, c'est ton argent. Ton mari, ce qu'il gagne, là, tu vois dedans. Ton mari, là, il te prend et puis t'attache au dos. C'est ça qu'on appelle foyer. Sinon, rester dans le foyer et puis pleurer tous les jours, là. Rester dans le foyer et puis 5 francs, tu ne vois pas, là. C'est ça. Donc, si tu restes là, être coincé, avoir la mentalité d'Abla Poukou, là, ma chérie, ça, c'est ton problème. Laisse-moi. Je vais déjà mes femmes, mes caviars, pour qu'enfin dans leur foyer, leur mari arrive à laisser l'argent dans la maison. À la maison surtout. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important, mes amours. Oui, mes chéris, il y a de toutes les tailles. Il y a de toutes les tailles, ne vous inquiétez pas. Yeah, les lumières qu'elle a mis là, c'est chaud. Ouais, il y a de toutes les tailles, mes amours.
Voilà, il y a de toutes les tailles. Voilà, il y a de toutes les tailles. Si toi, tu veux une taille, ma chérie, t'inquiète pas. Il y a de toutes les tailles. Tu vois cette taille-là? Tu vois cette taille-là, par exemple? Voilà, ça peut t'intéresser. Ça c'est moyen. Comprenez? Vous voyez ça? Ça, c'est moyen. Voilà, ça, c'est moyen. Voilà. Enfin, c'est pas moyen. C'est ça, là, mais c'est pas anaconda, même. On dirait que c'est moyen. En tout cas, par rapport à ce qu'il vient de montrer là, ça là c'est moyen. Vous voyez? Donc ça là c'est pareil. C'est comme l'autre là, c'est pareil. Tu mets ça sur la table ou mets sur la chaise. Ça se colle. Quand tu mets sur la chaise là, ça se colle, ça ne bouge plus. Ma chérie, c'est flexible. C'est silicone, c'est flexible. Tu peux faire tout ce que tu veux avec. Ma chère, oui. Tu viens commander ton truc. Faut pas. Il y a une femme la dernière fois qui me dit oui. Vous savez, il y a une femme la dernière fois qui m'a appelé. Qui m'a appelé, elle m'a fait de la peine. Elle m'a fait de la peine. Il y a une dame, la dernière fois que j'ai coaché, elle m'a fait de la peine. Elle dit, coach, je suis avec mon mari et tout. Mon mari, c'est un homme en or. C'est un homme adorable. C'est un homme qui me respecte, qui s'occupe de moi, qui vit pour moi et tout. Ben là, il a eu un petit souci de santé. Il a eu un petit problème de santé. Et depuis qu'il a le problème de santé là, mon mari, c'est plus ça. Voilà, c'est plus ça. C'est-à-dire que mon mari, même si on a envie de ramponner, on a envie de fracasser, mon mari, c'est-à-dire que quand ça veut rentrer au paradis, ça tombe. Quand ça veut rentrer au paradis, ça tombe. Voilà, donc ça n'arrive pas à être bien dur. Coach, là, je vais faire comment? Ça fait 2 ans que ça dure. Ça fait 2 ans que ça dure. J'ai 3 enfants avec mon mari. J'ai pas envie d'aller voir ailleurs. J'ai pas envie aussi de divorcer. Parce que ce qui lui est arrivé, c'est une maladie. C'est pas quelque chose qu'il a choisi. Donc, c'est pas pour ça. Parce que depuis 2 ans, ça n'arrive plus à bien se lever. Quand ça se lève, que ça veut rentrer au paradis, ça tombe. Que je vais demander le divorce. Mais coach, je suis une chrétienne, je suis une croyante. Mais, je sais pas. On dit que oui, si tu dois te qualifier, c'est un péché. Aussi, les go de tout ça là, on dit qu'aussi, il prend ça, c'est un péché. Mais je vais faire comment? Je vais faire comment? Ça fait 2 ans, mon mari ne peut plus me toucher. C'est pas qu'il n'a pas envie de me toucher, mais il est malade. Depuis, il est malade là, tout est mort. Tout est mort. Ce qui télécommande là, c'est-à-dire que ce qui téléguide, ce qui fait que ça vient ici et puis ça va s'élever là, c'est mort en lui. Donc, je fais comment? J'ai dit, ma chérie, mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. Vous voyez les gens coincés, les sorciers là. Vous voyez les sorciers là. Vous voyez les sorciers là. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, on ne les a pas appelés. Hein? On ne les a pas appelés. Mais ils sont là. Et puis ils sont en train de signaler le direct. Mettez beaucoup de cœur. Le direct est en train d'être signalé. Mettez beaucoup de cœur. Sinon, ça va couper. Ça va couper. Les sorciers sont là. Mettez beaucoup de cœur, les sorciers sont là. Ceux qui font qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de divorces. Ceux qui font qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent dans leur peau, qui sont en train de mourir à petit feu. Ces personnes-là sont là, en train de me signaler. Ces personnes méchantes, ces personnes qui font que l'Afrique n'avance pas. Les femmes africaines dans leur foyer sont de plus en plus malheureuses. Elles ont leur réalité. Leur mari ne les touche plus. Leur mari n'arrive plus à les satisfaire. Et ces femmes-là, elles ne savent plus où aller. Elles ne savent plus quoi faire. Parce que ces mêmes sorciers-là sont là tout le temps en train de les juger. Non, ça c'est blasphème. Ça c'est puni. Ça c'est pas bon. Et ce sont ces hommes-là que je n'ai pas appelés. Ces femmes coincées. Ces maudites-là que je n'ai pas appelées là. Qui sont sur mon direct-là. Qui sont en train de signaler le direct. Donc si vous ne mettez pas les cœurs, ça va couper. Voilà. Parce qu'ils sont en train de signaler. Ils signalent beaucoup. Voilà. Mais quand vous allez mettre beaucoup de cœurs là. Quand Facebook même va venir, il va voir beaucoup de cœurs là. Il ne va pas bloquer la vidéo. Il ne va pas me créer des problèmes. Parce qu'il va voir que ce que je suis en train de faire là, ça plaît plus aux gens. Vous comprenez? Donc, mettez beaucoup de cœurs. Ils sont en train de signaler. Les frustrés, les malheureux, ceux qui souffrent dans leur peau là, qui sont en train de... qui ne vivent pas, qui sont en train de traverser la vie là. Quand ils sont quelque part, où tout le monde est en train de bien rigoler, tout le monde est en train de bien s'enjailler là, ça les arrange pas, ça les dérange. Donc, ils veulent détruire. Mes amours, mettez beaucoup de cœurs. Donc, comme je vous disais, cette nana, elle me dit, mais coach, je fais comment? Elle dit, coach, je fais comment? Je fais comment? Qu'est-ce que je fais? À votre avis, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ma chérie, je lui ai dit à ma caviar, j'ai dit, ma chérie, ceux qui vont te dire ça, là, il ne faut pas les écouter. Tu as compris? Parce qu'ils te disent ça, là, il ne faut pas acheter gold, il ne faut pas faire ça. Ton mari, il est malade. Ça fait 2 ans, il ne te touche pas, tu es dans la maison. Tu es jeune. Tu as 36 ans. À 36 ans, on peut demander à une femme,
faut plus faire quelque chose, faut rester comme ça, comme légumes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander des choses. C'est-à-dire que ceux-mêmes qui disent ça, là, eux-mêmes, ils ne font pas. Parce que celui-même qui a venu s'arrêter devant toi pour dire qu'il faut faire ça, là, lui, chaque nuit, là, son bas va tenter de chauffer. Mais toi à qui on parle, là, c'est toi qui es en train de pleurer. Donc, j'ai dit à ma caviane, j'ai dit, arrête d'écouter ces conneries-là. Arrête d'écouter ces conneries-là. Les Blancs même qui ont créé ça, là, si Dieu condamnait ça, là, les Blancs même qui ont créé ça, là, leur pays, là, ils allaient être pauvres de plus en plus. Mais ce sont eux qui sont riches de plus en plus. Ce sont eux qui sont développés de plus en plus. Dieu les bénit de plus en plus. Mais nous qui sommes là, nian, Dieu a dit ça, Jésus a dit ça, là. On est poivre de jour en jour. On vit une vie de misère. Le pays, c'est-à-dire que notre continent va de plus en plus en arrière. Donc, quand on regarde bien là, c'est nous-mêmes on est maudits. Parce que ceux-mêmes qui font des choses là, quand on dit que c'est puni là, Dieu les bénit. Donc, arrêtez d'écouter les personnes qui ont des mentalités arriérées, les personnes qui ont des mentalités d'abla beaucoup. Profitez de la vie. Vivez votre vie. Donc, j'ai dit à ma caviar, j'ai dit, écoute ma caviar, tu es marié, tu es avec ton mari. Ton mari, c'est un amour. Vous avez 3 enfants. C'est un homme qui est malade. Ce n'est pas de sa faute. Ne va surtout pas voir ailleurs. Ne va pas voir un autre homme, ma chérie. Viens prendre tes godes. Viens prendre tes petits objets que tu vas garder chez toi à la maison. Tu vas te qualifier. Quand tu auras envie, tu vas te qualifier. Elle dit, mais coach, c'est vrai. Mais arrivé à un certain moment, est-ce que je ne vais pas m'enlacer? Parce que j'aurai besoin d'une chaleur humaine. J'ai dit, ma chérie. Dieu t'a pas dit que ton mari ne va pas guérir. Dieu ne t'a pas dit que ton mari ne va pas guérir. Pour le moment, ton mari ne peut pas te satisfaire. Prends ça pour le moment, tu vas te satisfaire. Et puis, peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, ton mari va guérir. Dieu va toucher ton mari, il va guérir. En ce moment-là, vous pourrez faire quelque chose. Donc, je veux dire, tu prends ça pour le moment. On appelle ça en attendant. Maintenant, peut-être à la suite, Dieu va opérer un miracle. Ton mari sera guéri. Ses facultés vont se réveiller. Vous allez vivre votre petite vie, vous allez kiffer, vous comprenez? Écoutez-moi, hein? Moi là, vous serez heureux. Si vous m'écoutez là, vous allez vivre votre petite vie, vous serez très bien. Arrêtez d'écouter les conneries. Vous avez compris mes amours? Oui, ça ce sont des petites idées comme ça. Ce sont des petites idées comme ça et j'en ai plein. Mais si je dois montrer tout ça ici, on ne va pas quitter ici. Si je dois montrer, je vous ai montré quand même quelques-uns des gadgets, des accessoires et tout. Il y en a des milliers. Il y en a plein. Mais je vais vous... Ça, c'est quand vous allez me contacter qu'en fonction de ça, je vais vous montrer, comme je vous ai dit tantôt, je vous ai dit que j'ai un site. Voilà, j'ai un site. Et donc, le site là, tous les produits, tout ce que je vous ai montré là, plus ce que vous n'avez pas vu là, tout ça là, on va prendre des photos, on va mettre ça dessus. Comme ça, vous allez aller dessus pour commander. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas aller sur les sites, s'ils peuvent m'appeler, ils m'appellent et puis ils passent leur commande. Je vous emballe ça, je vous envoie ça par la poste. Vous recevez vos produits. Ne vous inquiétez pas, mes amours. Oui, ça, c'était le spécial. Ça, c'était le spécial, spécial Saint-Valentin. Oui, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé, mes amours? Est-ce que vous avez aimé le petit truc sur la Saint-Valentin? Est-ce que vous avez aimé ça, mes amours? Vous avez aimé ça? Donc, ça dit que toi, la caviar demain, tu fais un bon petit plat, bon, comme d'habitude. Enfin, demander de faire manger, demander de faire ceci, cela. Ça, vous connaissez ça déjà. Voilà, ça, c'est, on appelle ça du basique. Ça, c'est du basique, c'est du classique. J'ai déjà fait un direct l'année passée sur la Saint-Valentin où je vous ai un peu dit. Et puis, dans mes directs, dans mes sujets, mes différents sujets que j'aborde tout le temps, ça je vous dis, voilà, s'entretenir et tout, demain se rendre belle, se rendre sexy, porter un habit chic. Moi je vous ai montré, hein, je vous ai montré ce que ma tenue de demain. Je vous ai montré ma tenue de demain. Vous voulez la voir encore? Vous voulez voir encore la tenue de demain? Dites-moi mes amours, vous voulez que je vous remonte encore la tenue de demain? Vous voulez revoir? Peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient pas connectés quand j'ai montré la tenue de demain. Vous voulez que je remonte encore la tenue de demain? Vous voulez ça? Ok, je vous montre. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas connectés. Voilà, la tenue pour demain. Regardez. Regardez, mes amours. Donc, comme tout à l'heure, quand je montrais ça, j'avais attaché ici. Donc, je vais attacher et puis je vais vous montrer. Je vais attacher, je vais vous montrer, mes amours. Regardez. Ça, c'est une combinaison. C'est une combinaison.
Et puis, ce qui est bien, regardez, c'est ouvert. Voilà, donc quand tu portes, tu n'as pas besoin de le retirer, ça reste sur toi. Tout est ouvert de, en bas pour tout ce que tu veux. D'accord? Voilà, mes amours. Donc là, on a framponné, pour la Saint-Valentin et tout. Je vais vous, raconter, il est quelle heure? Oui, ça c'est les petits sujets, on ne dit pas trop, voilà. C'est les petits sujets, on ne dit pas trop, vous comprenez? Voilà, on fait vite, Jonah Co, et puis bon, c'est bon quoi, vous comprenez? Mais comme je vous avais promis, tu as la couleur rose, ma caviar, d'accord. Moi aussi j'ai des couleurs, mais c'est parce que je n'ai pas ça sur moi, j'ai aussi des couleurs, j'ai beaucoup de couleurs aussi. Voilà, mais j'ai préféré prendre la noire parce que j'ai envie demain d'être la panthère. Vous comprenez un peu? Demain, voilà. Demain, mon thème de demain, c'est la panthère. Voilà, c'est-à-dire que demain, la Saint-Valentin de demain, je serai en panthère. Et donc, la panthère, vous voyez un peu, c'est un côté féroce, un côté dur, un côté... Voilà, donc j'ai préféré prendre le noir parce que ce noir-là, sur moi, comme ça, je sens, ça sera un truc, quoi. Ça va faire un truc, vous comprenez un peu. Maintenant, je vais vous raconter la suite. De l'histoire de Papa Caviar, la rencontre. Oui, la rencontre. Bon, je vais essayer un peu d'aller vite faire comme ça, essayer de faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient peut-être pas là ou ceux qui étaient là qui ont pris, savaient la fin. Donc, je disais que mon mari, quand je l'ai rencontré, je vous disais que Papa Caviar, quand je l'ai rencontré, enfin, j'étais dans un couple. Voilà, vous savez qu'ici, quand tu viens d'arriver, forcément, tu n'as pas tes clats et tout. Tu es chez des tuteurs, tu es chez des amis, chez des vieux pères, chez des vieilles mères et tout. Mais arrivé à un certain moment, tu as envie de prendre ton indépendance. Tu as envie de te mettre avec quelqu'un qui est franco, qui peut te donner ton clat. Vous comprenez un peu? Et donc, c'est comme ça, je suis allé me mettre dans un faible foyer, un faible couple. Voilà, un couple, l'eau dans sachet. Un couple, you goss, dormait dans le salon. Donc, c'est comme ça, comme je vous disais, que j'ai une amie qui est venue me voir, une amie à moi qui était venue me voir, et cette amie-là avait un prétendant. Voilà, donc le prétendant, c'était l'ami à mon mari. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est connus parce que quand il est venu récupérer ma copine, puisque sa voiture était en panne, était tombée en panne, donc il a demandé à son ami de l'accompagner. Son ami qui est mon actuel époux. Voilà, donc quand lui, il est venu et tout, je suis descendue avec ma copine, on allait acheter rapidement un truc. Et puis le gars m'a vu, il est tombé fin. Donc quand il est tombé fin, je suis descendu de la voiture, il m'a suivi, il voulait mon numéro, je l'ai envoyé balader. Puis moi je suis monté, vous comprenez un peu. Donc c'est ma copine, il a vu ça avec ma copine, il a essayé de parler avec ma copine qui est fin de moi et tout. Donc ma copine m'a appelé, m'a dit, ah, est-ce que je peux donner ton numéro au gars, tout ça là. J'ai dit, c'est quel gars ça, est-ce qu'il est frais, est-ce qu'il a quelque chose, etc. Donc, elle m'a dit, mais copine, toi-même, tu sais, tu as vu sa voiture et tout, comment sa voiture est. Donc, c'est quelqu'un, il bosse tout ça là, ça va. J'ai dit, ok, bon, fatigue-le un peu, tu lui donnes mon numéro. Donc, ma copine lui a donné mon numéro. Le gars, il m'a appelé. Donc, quand il m'a appelé, comme je vous disais, qu'il m'a appelé la première fois. On a causé vite fait. Et puis, il m'a appelé la deuxième fois. Donc, quand il m'a appelé la deuxième fois, voilà, je voulais le tester. Vous comprenez, je voulais le tester. Donc, je lui ai dit que je partais à Saint-Lazare. Saint-Lazare, c'est un endroit où il y a les marques de luxe et tout, voilà. Donc, je lui ai dit, je partais à Saint-Lazare, il m'a dit que je partais faire quoi? Je dis, je partais acheter un sac et il m'a dit, ah, ok. Je dis, mais c'est toi qui vas acheter ce sac-là, tu viens avec moi pour acheter ce sac. En tant que le gars, si vous voulez, le gars, il m'a appelé, c'était la deuxième fois qu'il m'appelait, comprenez? Donc, quand je lui ai dit que je voulais un sac de chez Gucci, le mec, il a été choqué. Voilà, il s'est dit, mais attends, celle-là ne me connaît pas. Je l'ai appelé peut-être la dernière fois, mais il l'appelait, le monde n'avait pas fait 30 secondes au téléphone. Là, je l'appelle aujourd'hui. Elle me dit de l'amener à Saint-Lazare pour lui acheter un sac Gucci. C'est quelle fille ça là? Il dit, mais ça, c'est quelle fille ça là? Donc, le gars, bon, comme il est poli, il a dit, ok, il n'y a pas de problème et tout. Donc, on s'est laissé, on s'est donné un rendez-vous. Voilà, je lui ai dit, on se voit à telle heure et tout. Le gars a dit, il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, le rendez-vous est bon puisque le gars, il a dit, il n'y a pas de problème. Donc après, j'appelle le gars, rien. Le gars ne m'appelle plus. J'appelle le gars, rien. Je lui envoie un message, rien. J'ai dit, mais attends, quelque chose qui ne va pas. Donc j'appelle ma copine et puis je lui dis, oh, le gars là, tu es sûr qu'il a ça?
Elle dit, aïe, il a ça, pourquoi il n'a pas ça? Il a dit, mais la dernière fois, il m'a appelé, je lui ai dit, bon, je vais à la Saint-Lazare, qu'il m'accompagne là-bas, parce que j'avais vu un Gucci là, donc je voulais qu'il me prenne un Gucci. Mais le gars, depuis là, je ne sais pas, il appelle, il ne répond plus. Je lui envoie un message, il ne répond plus. Toi, tu es sûr que le gars là, il a quelque chose? Elle dit, copine, il a quelque chose. J'ai dit, il a quelque chose, et puis je l'appelle, et puis il ne répond pas là, à cause de Gucci. Donc, c'est comme ça, le gars ne m'a plus appelé. Bon, il ne m'a plus appelé. Ben écoutez, ce n'était pas à moi d'insister. C'est-à-dire que moi, je l'ai appelé parce qu'on avait rendez-vous pour aller à Saint-Lazare pour prendre mon sac Gucci. Mais comme il n'a pas honoré le rendez-vous, je me suis dit peut-être qu'il était malade ou peut-être qu'il a eu un accident. Donc, je me suis inquiété forcément. C'est pour ça que je l'ai appelé. Mais quand j'ai vu que le gars, il a fait en science parce que, bon, peut-être qu'il ne voulait pas offrir ce sac-là, moi, je l'ai laissé. Moi, je l'ai laissé dans son coin. Donc, je l'ai laissé dans son coin. J'étais dans ce couple Yougos, l'eau dans sachet, avec un homme, l'eau est finie dans lui. Oui, l'eau est finie dans lui. J'ai dit, ça, c'est le beng. En beng, au moins, ils sont totems. C'est pour ça, sinon, lui, là, de toute façon, l'eau est finie dans lui. Qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? Mais comme c'est affaire de clata, comme c'est affaire de rester quelque part, bon, on est obligé de faire avec. Ça, c'est l'aventure, c'est la réalité d'ici, c'est comme ça. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là ou qui sont même en train de passer par là. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie d'ici. Donc, je suis restée dedans comme ça. Et puis, bon, comme je vous ai dit la dernière fois, je cherchais une porte échappatoire parce que ce Yougos se dormait dans le salon. Ce poivre, parce que ça, c'était un poivre. C'était un poivre. Le seul truc qu'il avait, c'est qu'il était franco, c'est tout. Sinon, c'était un poivre. C'est-à-dire que l'argent se faisait rare. L'argent se faisait rare et tout. Mais bon, j'ai fermé les yeux là-dessus parce que je me suis dit, bon, s'il a le clat, je me concentre sur le clat. Vous comprenez un peu? Donc, quand j'ai vu que le gars, quand je parlais de mariage et tout, j'ai vu que le gars, il n'était pas prêt, quoi. C'est-à-dire que le mec... Parce que vous savez, ce poivre, c'est-à-dire que ce Yougos, ce foyer, l'eau dans sachet, je ne savais pas le passé du gars. Oui, ça, je ne vous l'avais pas dit. Je ne savais pas le passé du gars. C'est-à-dire que le gars, en fait, il était marié légalement à une blague, une Camerounaise. Ça, je n'ai jamais su. Il me l'avait caché. Donc, c'est-à-dire que c'est un gratté qui est déjà dans le milieu. C'est un gratté qui a déjà goûté à ça. C'est un gratté qui a déjà donné clata à une sœur. Donc, c'est un gratté, c'est-à-dire c'est une victime. C'est quelqu'un qui est derrière hier. Moi, il ne savait pas. Je pensais que j'étais sa première truc. Que pour moi, elle est sortie dedans. Déjà, le gars même, là, il y avait une gode, une Camerounaise qui a déjà pris pour elle dans lui. Donc, le gars même, il voyait clair. Moi, il ne savait pas. Donc, c'est-à-dire que je suis allé rentrer dans la gueule du loup. Donc, quand je disais au Mogor, on se fout, le Mogor n'était pas prêt. Je ne comprenais pas pourquoi le Mogor n'était pas prêt. Déjà, c'est parce que le Mogor même, c'est-à-dire qu'il connaît un peu le mouvement. C'est-à-dire, il connaît le mouvement. Il savait qu'il était là. C'était un mouvement Woloso Azubagei, Wawa. Donc, dans son cœur là-bas, il a dit celle-là. Je la vois venir. Je sais ce qu'elle veut. Mais elle a menti. Je ne vais même pas lui donner. Donc, c'est-à-dire que c'est comme ça, petit à petit, voilà, étant dedans, j'ai essayé un peu de. Voilà, de me renseigner un peu. Ben, vous savez, les gens, ça parle un peu. Hein? Et c'est comme ça, j'ai appris que le Mogor, c'est un Mogor qui est déjà passé, qui a aidé à être victime. J'ai dit, wouh! Donc, c'est pour ça que quelqu'un lui disait, mais on va se fourrou. Allons à la mairie, allons faire les paparazzes, tout ça, pour le fourrouli. Le gars, il faisait un bizarre. Déjà, c'est parce que le gars m'a déjà été victime. Donc, quand il a vu ça, il a dit, ah bon, il a gagné tant. Donc, c'est comme ça, j'ai gagné tant. J'ai mon vieux père qui est venu et tout. Oh, j'ai gagné tant. Donc, quand j'ai gagné tant, je vous avais dit un peu comment ça s'était passé. Ça, je vous ai déjà dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, c'est comme ça, je suis partie et tout. Et puis, bon, c'est dit que Papa Caviar, on s'est perdu de vue. Hein, on s'est perdu de vue parce que ma copine en question, son ami, l'ami de Papa Caviar, et ma copine, leur histoire, c'est pas arrivé quelque part. Elle a jeté le gars, je ne sais pas pourquoi, ou même si c'est le gars qui l'a jeté. Mais en tout cas, le truc n'a pas marché. Donc, il ne se fréquentait plus. Et c'est comme ça, Papa Caviar et moi, on s'est perdu de vue, puisque moi, je ne l'ai plus appelé. Lui aussi, il ne m'a plus appelé. Parce que je l'ai choqué. Vous comprenez un peu le truc? Donc, des mois plus tard, c'est-à-dire que des mois plus tard, j'étais avec mon vieux père, un de mes bons vieux pères, le même vieux père en tout cas. J'étais avec le vieux père, on était allé faire les courses.
Et donc, on avait beaucoup de courses comme ça. Et donc, on attendait le bus. On attendait le bus, ou même le... Je sais pas, on attendait le transport, vous comprenez? Et puis, voilà quelqu'un qui vient, qui se gare. En temps, papa Kavia, il était son même ami, là. Il était avec son même ami, là. Donc, ils nous ont vus, parce qu'ils m'ont vu arrêter là, en bordure de route, avec mon vieux père. Donc, ils sont venus, ils se sont garés un peu à côté. Et puis, l'ami, là, c'est-à-dire que le dragueur, papa Kavia, lui, n'est pas descendu, hein. Lui, il est resté dans la voiture. Donc, c'est son ami là qui est descendu, qui est venu vers moi pour dire, « Ah, mais ça fait longtemps. Mais ça va. Mais qu'est-ce que tu deviens? Mais on t'a cherché. Tu sais, je n'ai plus les nouvelles de ta copine. J'avais même plus son numéro. Mais on t'a cherché et tout. Oh, mais ça fait plaisir de te revoir et tout. » Donc, moi, j'étais arrêté là. En tant que vous savez que moi, je suis très rancunière. Je suis très rancunière. Donc, quand j'ai vu son ami, même, je l'écoutais là. J'étais très rancunier. Dans mon cœur, là, il disait vraiment ceux-là. Des you-goss comme ça. Toi, ton ami, un you-goss comme ça. À quoi Gucci, il a fui. Toi, t'as venu me dire quoi. Donc, il l'écoutait, mais quand il l'écoutait, il me donnait un genre. Je me donnais un genre. Je dis, genre, parle vite là, tu as quitté devant moi. Oui, je n'ai pas votre temps. Donc, c'est comme ça, il a dit, mais venez, je vous. Venez, on vous dépose. J'ai dit, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Maintenant, mon vieux père, c'était un vieux père en nuit. Donc, le vieux père fait ça. Mais la chic, il n'a qu'à me déposer. Pourquoi tu dis non? J'ai dit non, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Pourquoi? Tu sais qu'on attend, quelqu'un qui vient nous chercher. Donc, ce n'est pas la peine. Il dit, on attend qui? Il a ramassé les courses là. Il dit, prends les courses là, pardon. Ils vont nous déposer. Oh. Attends, il faisait froid. Tu me fais quoi comme ça là? Mon vieux père là, c'est un vieux père en nuit. Donc, le vieux père a pris les courses là. Lui, il a pris direction de voiture là. Hein. Donc, il a ramassé aussi mes courses. Et puis, tu es un. Je suis monté derrière le vieux père. Quand je suis monté dans la voiture, papa Kavia était au volant. Il a dit bonsoir. Ah, bonsoir, ça va? Tu vas bien? Ça va. Il m'a donné un genre. Oui, par exemple, mon affaire chauffe. Tu m'as mis sur petit vélo. Moi, quand tu vois un carré, toi. Donc, là. Tu vas bien, il dit ça va. Puis il était assis derrière là. Quand je l'ai vu, la colère est revenue. Bah, il a commencé à revivre ce côté où le sac, je ne l'ai pas eu là. Ça m'a fait mal, donc j'ai revécu ça. Donc ma colère est montée. Donc j'étais dans la voiture, j'étais derrière. Et puis j'étais là, je me donnais un genre. Donc son ami était là, son ami parlait. Son ami causait avec nous. Oh, mais ça fait longtemps. Mais franchement, ça fait plaisir. Mais on ne pensait jamais qu'on allait te revoir, la chic. Oh, mais qu'est-ce qu'on t'a cherché? Il y a des mecs cherchés, pourquoi? Il y a des mecs cherchés, c'est pourquoi? Pourquoi on m'a cherché? Non, mais on t'a cherché. Mon ami voulait te revoir. Il n'avait plus ton numéro et tout. Il n'avait plus mon numéro, pourquoi? Je lui ai donné mon numéro, il m'a appelé. Il m'a appelé deux fois. Pourquoi il n'avait plus mon numéro? Non, il faut laisser ça. C'est que s'il n'avait plus ton numéro. Attends, papa Kavia, le jour où je lui ai dit je voulais Gucci là, il a effacé mon numéro de son téléphone. Donc c'est pour ça qu'il n'avait plus mon numéro. Attends, il a effacé le numéro, mais il a oublié que quand il m'a vu là, il a fait flash dans ses yeux. C'est-à-dire que j'ai fait un de ses flashs dans ses yeux. Il a effacé le message, le numéro, mon numéro. Mais ça dit qu'il n'arrivait pas à me sortir de la tête. Vous voyez un peu ce truc-là. Vous voyez ce truc. Ça dit que, voilà, il y a des rencontres. Quand tu fais comme ça, tu ne... C'est-à-dire que ton cerveau même ne veut plus revoir la personne. Mais ton cœur même te dit, hé, papa, la fille t'a flashé, tu fais quoi comme ça? Donc, ça dit que le gars, maintenant, quelques temps après, il veut tout faire pour me revoir. Mais il a effacé mon numéro, parce qu'il était fâché. Donc, ils ont tout fait, ils ne m'ont pas vu. Donc, ils étaient dans la voiture, ils étaient contents comme ça. Donc, quand on est arrivé à destination, moi, je suis descendu à mon vieux père. Maintenant, son ami fait ça. Eh, pardon, la chic, donne-moi ton numéro. J'ai dit, non, il ne donne pas. Pourquoi il a donné mon numéro? Pardon, il faut donner ton numéro. J'ai dit, il ne donne pas. Il a donné mon numéro, pourquoi? Il ne donne pas. Il est venu me demander pardon. Et puis, mon vieux père qui était à côté, là, il dit, mon petit, prends le numéro là. Et puis, il a donné le numéro. Mon vieux père là, eh, Seigneur. Vraiment, je dis que quand c'est pour toi là, il y a des choses qui se passent maintenant, mais tu ne comprends pas. Donc mon vieux père a dit, petit, prends le numéro, prends son numéro. Puis le vieux père a donné, il a 06, tant, tant, tant. Et puis le gars, il a noté le numéro dans son téléphone, il est parti.
Puis on est parti. Donc, quand je suis rentré à la maison, quelques temps après, papa Kavia m'a appelé. Attends, je ne connaissais pas le numéro. Je ne connaissais pas le numéro, donc j'ai décroché. Quand j'ai décroché, j'ai dit « Allô ?» Il dit « Tu vas bien ?» J'ai dit « Oui. » « C'est qui ?» Il a dit son prénom. J'ai dit « Ah, d'accord, oui. » Il dit « Ah, mais franchement, ça fait du bien de te revoir, tout. Ah. » J'ai dit « Mais je sais, ta joie de me revoir là-même, je comprends pas. » Il dit « Ah bon, comment ça ?» J'ai dit « Mais je comprends pas, parce que la dernière fois, là, quand je t'ai dit qu'il fallait que tu m'accompagnes à Saint-Lazare, si toi-même, tu sais que si tu ne pouvais pas, fallait me dire tranquillement que non, je ne peux pas. Mais de toute façon, tu t'es comporté, là, si c'est comme ça, on se comporte. Hein? Tu me donnes rendez-vous, tu me mets sur un petit vélo, je t'appelle, tu ne réponds pas. Et puis tu es là, tu fais genre, tu es trop content. C'est-à-dire que là, il lui a montré en même temps mon caractère. Il a montré en même temps mon caractère. Il a dit, tu as fait chose, et puis tu fais genre, tu es trop content de me revoir, je ne sais pas. Ton numéro, tu es en train de faire là, je ne comprends pas. Il dit, pardon, il faut laisser ça. Tu sais, tu m'as un peu choqué. Tu m'as un peu choqué. Voilà. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, on ne se connaissait pas. Et puis bon, tu me dis, tu veux un sac Gucci. J'ai trouvé ça tellement louche, tellement gauche que, bon, c'est pour ça, ça m'a cassé, quoi. Ça m'a découragé. Sinon, ça Gucci, c'est quoi? Je peux même t'offrir plusieurs, mais c'est la manière que je n'ai pas appréciée. C'est pour ça, excuse-moi et tout. J'ai dit, hein, d'accord. Mais en tout cas, il ne faut plus refaire ça. Il ne faut plus jamais refaire ça. Tu comprends, ça t'a choqué, c'est vrai, ça t'a choqué. Mais si moi-même, je t'ai demandé à l'instant, en ce moment-là, moi-même où je suis là, si il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est ça. Je sais que ce n'est pas bien, je ne te connaissais pas. Mais c'est parce que c'était mon anniversaire. C'était mon anniversaire, puis je ne sais pas, quelque chose m'a dit de te le demander. C'est pour ça, sinon, ce n'est pas dans mes habitudes. Il dit, bon, d'accord, ce n'est pas grave, on laisse ça, on laisse, c'est le passé, on laisse ça, on laisse ça. J'ai dit, d'accord. Donc, le gars, il a commencé à m'appeler. Tous les jours, il a commencé à m'appeler. Tous les jours, il a commencé à m'appeler et tout. Et donc, il m'a dit, est-ce qu'on peut se voir et tout? On peut se voir et tout. J'ai dit, bon, écoute, il n'y a pas de souci, on peut se voir, il n'y a pas de souci, on peut se voir. Donc, ça dit que ce jour-là, je me suis tapé un petit style. Je me suis tapé un petit style. Il faut savoir que quand je j'avais pas encore mes enfants, enfin, quand j'étais jeune, un peu jeune quand même, parce qu'il y a quoi, il y a plus de 16 ans en arrière. Non, plus de 14 ans, même plus de 13 ans, voilà, 14 ans, même 15 ans en arrière. Donc, imaginez un peu, j'avais pas encore d'enfants et tout. Donc, je me suis tapé un petit style et tout. Voilà, bien chic, j'ai bien galbé. Voilà, j'ai bien galbé ça. Quand je suis allé m'asseoir, très stylé. Quand le gars m'a vu, le gars, son cœur est coupé. Ben, le jour, il m'a vu là. Le jour, il m'a vu là. Moi, c'est-à-dire qu'il était descendu vite fait. Il était descendu vite fait. Donc, il était en wasari. Voilà, il était en wasari. Très simple, tout ça là. Mais le gars, il a flashé. Donc, imaginez le jour du rendez-vous. Il dit, je me suis mise, mais il dit, le petit style, il me suis tapé là. Le petit style, il me suis tapé là. En ce temps, c'était les chaussures Weston qui étaient à la mode. Moi, je dis, c'était les paires de souliers qui étaient à la mode. Hein. Voilà, le style un peu garçon, mais un peu féminé et tout. Voilà, féminin, le style un peu féminin, mais en même temps mélangé le style masculin, voilà, paire de souliers, tout ça, c'est ce qui est à la mode, hein, voilà, donc, j'étais un peu dans le truc, quoi, donc, je me suis tapé un petit style, j'ai porté un petit chemisier blanc, j'ai ouvert comme ça les boutons, voilà, c'est-à-dire, le chemisier me palaquait comme ça, ça me palaquait, donc, quand il est porté là, puis il enlevait deux boutons comme ça. Donc, c'est-à-dire que tu ne vois pas les lolos, mais il est ici, là. Quand tu regardes la fente, là, c'est lourd comme ça, c'est chargé comme ça. Avec un petit pantalon, à pince, oui. La lumière de truc, là. Yeah! Les fleurs de l'honneur, ta lumière, là, en tout cas. Ouais. C'est dans mes narines comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il a porté un pantalon à pince. Un petit pantalon en pince. Le petit pantalon en pince, c'était un 4 quarts. Voilà, ça s'arrêtait à la cheville. Il a porté ça comme ça, le petit chemisier. Voilà, il me suis fourré un fourrage décontracté. C'est-à-dire que j'ai fourré un côté et puis j'ai bien laissé un côté. Vous voyez un peu ce genre, ce style, comme le petit style que je me suis tapé. Tu fous un côté, ça fait genre un peu sérieux, puis tu laisses un côté. Donc, c'est-à-dire que tu es stylé, mais décontracté. C'est pas trop sérieux, comprenez un peu. Et puis, il a blessé ma Weston en bas. Il a blessé ma Weston en bas. Donc, c'est que le gars même, il m'a vu. Il dit, ouais. Il dit, ouais. Il était saut. Stylé. Et puis, il sentait bon. Ça, là, seulement, là,
Il n'y a pas comment chaman. Il sentait bon comme ça. Et puis, il était là. Donc, le gars, même quand il a vu le style, il a vu le mouvement. Il dit, ouais, la petite là, elle connaît le style. Il dit, la petite là, elle connaît le style. Ah! Faut me voir en train de marcher. Faut me voir en train de marcher. Oui, parce que vous savez que quand tu es pas laqué comme ça, c'est-à-dire que quand tu portes un vrai pantalon à pèse avec un beau chemisier comme ça, bien pas laqué comme ça, et puis tu as mis ta paire de souliers en bas, ta ouin-ouin en bas, quand tu es en train de marcher, ta démarche même, c'est pas une démarche bizarre. C'est-à-dire que tu marches, tu as une démarche de crocodile. Tu as une démarche de crocodile. Parce que ta chaussure, tu n'as pas envie que le bas là soit trop gâté. Donc quand tu marches, c'est-à-dire que tu ne touches pas trop le sol. C'est-à-dire que dès que tu touches le sol, tu lèves en même temps, tu mets l'autre. Donc, on appelle ça la démarche de crocodile. Donc, j'ai marché en crocodile comme ça. En crocodile comme ça. En crocodile comme ça. Le gars, look at ça, il dit non, celle-là. Il dit celle-là, on meurt ensemble. Celle-là, non. C'est quelqu'un qui est stylé comme ça. C'est quelqu'un qui est choco comme ça. Donc, c'est dit que bon, on a fini le rendez-vous et tout. Le gars, il allait me déposer à la maison, comprenez, oui, ça c'est important. Il allait me déposer, donc quand il allait me déposer et tout, il y a dit que le gars, non, tellement qu'il a mélangé le gars, il m'appelle et puis il me dit, oui, est-ce que tu peux m'envoyer, est-ce que tu peux m'envoyer la photo, est-ce que tu peux m'envoyer la photo de tel lolo, est-ce que tu peux m'envoyer la photo de tel lolo. Il a dit, mais attends, la photo de mes lolos, ça a dit quoi? Il dit, on avait la photo de tes lolos. Il a dit, hey, si tu m'as demandé ça encore, si tu m'as demandé ça encore, quand il était fermé là, tu ne me verras plus jamais. Tu es malade. Moi, quand t'as envoyé une photo de mes lolos, ils ont chié dans ta tête. Il dit, non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas voir ça comme ça. C'est pas tes lolos m'ont traumatisé. Donc, il a envie de voir ça. Il a dit, plus jamais tu vas me demander ça. Tu es malaise au chien, tu as l'habitude de demander ça. Tu te prends pour qui là? Il n'aime pas ça. Plus jamais. Il dit, ok, excuse-moi, prends pas ça en mal. Donc c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, le moro, ça a commencé et tout. Commencé à se voir et tout, commencé à se voir. Donc c'est dit qu'un jour, j'ai dit, bon, le premier raquettage n'a pas marché. J'ai dit, le premier raquettage n'a pas marché. Voilà, donc, il faut que je relance. J'ai dit, il faut que je relance. Donc, voilà, un jour comme ça, il est venu me chercher et puis on allait chez lui à la maison. On était assis et tout. Et puis, je jouais la triste. Je jouais la fille trop triste, quoi. La fille trop malheureuse et tout, trop triste et tout. Donc, il me dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis mal. Je suis très mal. Je ne suis pas bien. Il dit, tu n'es pas bien. Il y a quoi? J'ai dit, je suis en deuil. Je suis en deuil. Il dit, tu es en deuil. Tu as perdu qui? J'ai dit, mon papa vient de mourir. J'ai dit, mon père vient de mourir. Ton papa vient de mourir. J'ai dit, oui. Ma maman m'a appelé aujourd'hui là. Elle dit, mon père est décédé. Entends le monsieur, le pauvre père. Il est décédé depuis, il y avait 6 ans. Mais le monsieur là, il décède tous les jours. Mon papa là. Hein? Excuse-moi. Il décède. C'est-à-dire que quand il y avait... Je veux mettre un plan de raquettage. Hein. Mon père est décédé. Ah, mon père est décédé. Donc, il me dit, ah, ton papa est décédé. J'ai dit, oui. Il dit, ah, vraiment, mes condoléances et tout. J'ai dit, oui. Mais là, je ne sais même pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Je suis l'aîné de ma famille. Et puis là, il est décédé, là. Tous les funérailles, là, c'est sur ma tête. C'est sur ma tête. Donc, je ne sais même pas comment faire. Et puis, je faisais pitié comme ça. Je ne sais même pas comment faire. Je fais comment? Là, même là. Ma maman m'a dit, on doit le déposer à la morgue. Il n'est même pas là. Attends, en Afrique, là-bas, là. La morgue en Afrique, là-bas, là. Si tu n'as pas là, on ne prend pas le corps. Mon papa va rester dehors. Moi, mon papa. Moi. Et puis, je fais genre, je suis en train de pleurer. Mon papa va rester dehors. Non. Non. C'est de où je suis là, même là. Si j'avais les papiers, là. Je partais même là. C'est-à-dire que je partais à Abidjan. Il a commencé mon cinéma. Le gars fait ça. Non, faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Non, c'est rien. C'est rien. T'inquiète pas. On va voir ça. Je dis vraiment. Vraiment, parce que je suis là. Ma maman même. Ma maman, mais elle est inconsolable. Mais tout le monde est inconsolable. Mais c'est moi, on attend comme ça. Moi, on attend.
Je vais faire comment? Où est-ce que je suis là? Il a enlevé l'argent où pour emmener? Il a enlevé l'argent où pour emmener? Où est-ce que je suis là? Mon papa, eh, il m'a fait ça. Il a dit, non! Il a fait de l'art! Il a fait de l'art! Je fais de l'art! Oui! Funérailles est tapé! Funérailles est tapé là! Non! Vous aussi, vous connaissez ça? Non! Non! Il a tué le monsieur là, grave. Il dit non, t'inquiète pas, faut pas t'inquiéter. Mais est-ce que ta maman t'a dit un peu combien il faut? Il faut combien comme ça pour ça et tout? Je dis, elle m'a pas dit. Elle m'a pas dit, mais de toute façon, je vois la chose là. Je t'ai dit que c'est sur moi en compte. C'est sur mon compte, donc elle peut pas. C'est-à-dire que c'est pas la morgue là seulement. C'est beaucoup de choses. La morgue, puis les gens sont venus, puis il y a trop de choses. Donc vraiment, je sais pas. Oh, eh, Seigneur! Ah! Il y a dit que le monsieur là, non! Le monsieur là, c'est qu'elle lui a fait. C'est qu'elle lui a fait, non! Mais c'est-à-dire que je ne savais même pas. Je ne savais même pas, vous savez, on dit souvent, non, c'est ton âme sœur et puis tu ne sais pas. C'est-à-dire que souvent même celui qui est ton âme sœur, c'est lui-même, tu vas prendre un bizarre. Tu vas prendre un bizarre, après tu te dis quoi? Tu te dis non, il a blessé sa vie, fait puis il a gagné un temps. Tu ne sais pas que c'est ton âme sœur qui est là, là. Si tu sais que c'est ton âme sœur qui est là, là, est-ce que tu vas te comporter comme ça? Parce que pour moi, bon... Pour moi, bon, je me suis dit, bon, écoute. Parce que vous savez, hein, il n'y a qu'elle même. Yeah! Mais chérie, on va continuer la suite. On va continuer la suite, mes amours. Chérie, il est 16h04. Là, j'ai mon rendez-vous. Je dois prendre une caviar. Je dois prendre une caviar, mes amours. Wouh! Je ne savais pas qu'on est, mais on a duré dans ce direct-là, mes amours. On va continuer la suite plus tard. On va continuer la suite un autre jour, mes amours. La suite, l'épisode. Là, on dit c'était l'épisode 2. On va continuer ça plus tard. Parce que là, on a trop duré. Vous comprenez un peu. Oui. Je sais que vous voulez savoir la suite. Vous voulez savoir combien il m'a donné pour les funérailles. Vous voulez savoir comment ça s'est passé. Oui, je sais que vous voulez savoir. Mais ça, c'est d'un autre épisode. Épisode 3. Affaire à suivre. To be continues. Oui, c'était moi. Oui, c'est la coach Amon Chic. C'est la coach Caviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Quelle MP. Pas voilà, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh oh. Elle n'est pas dans les ha ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends. Avec elle, tu es sur terre. Avec elle, tu ne parles pas. C'est la ferrugolade des coachs. Il y a des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. Attendez, avant de retourner contre toi, oh, arrêtez ça, oh, arrêtez ça, arrêtez ça. Voilà une personne qui commente, qui dit, tous les secrets que tu es en train de donner aujourd'hui là, vont se retourner contre toi. Ça va se retourner contre moi en quoi, en comment? Ça va se retourner contre moi là, en comment? Qui va prendre ça pour me faire quoi? Mon mari même là, il sait que c'est ce que je suis en train de dire là. Il sait que je suis en train de dire. C'est notre rencontre. C'est quoi le problème? Pourquoi toujours chercher le côté négatif? Ça va se retourner. Ça va se retourner contre moi en tant que quoi? Est-ce que je fais de la politique? Est-ce que je suis politicienne pour dire oui, je suis allée me présenter au présidentiel? Ou bien je vais être maire? Donc, ils vont prendre ça pour mes trucs. Non, arrêtez un peu votre côté négatif là, s'il vous plaît. Arrêtez d'être coincé là. Ici là, c'est du positif. Ceux qui vont prendre ça pour venir contre moi, ils n'ont qu'à venir contre moi. Ça ne va pas aller quelque part. Moi, je vous dis que je suis une personne, je suis déjà. Moi, je suis dans un autre level. Je ne suis pas dans les conneries, moi. Voilà, je suis pas dans... Je n'ai jamais dit à quelqu'un ici sur les réseaux sociaux que j'étais la mère Teresa, que j'étais la femme la plus parfaite du monde. Non. Je préfère parler de moi, de mon passé. Et puis aujourd'hui, les gens vont voir que de mon passé, là, voilà comment je suis devenu. Aujourd'hui, je suis coach. Je donne des conseils. Dieu même, là, il sait. C'est-à-dire que Dieu, souvent, là, il va prendre quelqu'un qui a fait, vécu ça, et puis. Il lui donne un don et puis il la change. Et puis il lui dit, il faut sensibiliser. C'est ça que je suis en train de faire. Donc, votre truc négatif là, s'il vous plaît, allez là-bas avec. Oui, mes amours. Donc, comme je disais, merci.
merci à les fleurs de l'honneur pour cette magnifique décoration. Mes amours, demain, la suite, pour savoir quel est dans ce paquet, ce grand paquet de Louis Vuitton que Papa Caviar a acheté. On va découvrir ça demain. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.